Et bonjour, cinquième épisode de notre let's play sur Metroid Red. J'espère que vous allez bien. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non mais oui. Là, on reprend. On n'était pas sûr de là où on devait aller, mais a priori, par là, c'est peut-être bien. Donc, allons-y. Ah non. Ah ouais, mais non. Ah, par contre du coup, ah quel enfer. Maintenant que je sais, maintenant que j'ai compris que ouais, les zones explorées, ouais. Bon, en vrai, on va essayer de pas explorer tout. Ah mais. Hein? Mais que... hein? Mais quel est l'intérêt? Ah, parce qu'il faudra que je fasse un truc où je mets 5, les 5 missiles ou je sais pas quoi, 5 tirs là-dessus. Et ça m'ouvrira ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça le bail. Ouais. Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc, hein. Soyons fous. Non mais, pourquoi je m'emmerde alors que je peux faire ça? Ça, c'est la vie. Mais vraiment. Ça c'est des blocs de bombes. Oui, on a déjà récupéré le truc qui était là. Ouais, voilà. Ah. Mais non, mais ça on l'a déjà fait ça. Attends. Oui, dans cette porte là, on l'avait déjà passé. Bon, on va voir. On va voir. Je pense qu'il y a quand même des zones que j'ai pas. Ça, je peux pas. Là, il y a un secret. Là, le jeu m'indique. Ouais, il y a un secret. Ouvre les yeux. Mais je peux pas dash sous l'eau. Eh, je peux pas non plus. Et ouais, je peux pas accélérer sous l'eau non plus. Ah ouais, donc mon plan tombe à l'eau. Je veux dire. Bon, bah. Retournons ici. Retournons à Dairon. Après j'ai un peu regardé la map et j'ai vu qu'il y avait quand même, bah, bon là on n'a pas la map notamment de Bourania. Mais à Dairon on a pas mal de points de TP il me semble. Et notamment les ascenseurs auxquels j'ai jamais pu accéder. Donc en fait en vrai d'assaut si je backdash forcément je vais trouver des trucs. Donc au bout d'un moment on va finir par trouver des trucs qui ne seront pas des réserves de missiles ou autres. Et donc on avancera. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Voilà, oui, hein. Ça faisait longtemps que le Elgato avait pas fait ça. Mais petit changement de source. Ok. J'ai raté le compte. Oui. Faut que je fasse gaffe à ma vie quand même. Je suis en train de me rendre compte. Alors là, je crois qu'il y a des trucs que j'ai pas. Des zones que j'ai pas regardées. Super. Là on y est allé. Ah. Ça me mène où? Ça va mener là. Là c'est une zone qui est trop froide pour moi. Sinon ça me menait où là? Ouais mais là non. Ce serait là, ouais vers là je pourrais aller éventuellement. Là il peut y avoir des trucs. Où est-ce qu'il y avait d'autres? Là il faudrait que je voie si je peux accéder là hein. Mais bon. Bon, essayons d'aller par là. Mais là, je fais demi-tour par rapport à un chemin que j'avais déjà fait. Après, il y a peut-être des trucs là. Ouais, non. Je suis pas sûr que ce soit par là. Ami, je peux essayer de passer par là. La question c'est, est-ce que j'ai un intérêt à continuer par là? Éventuellement pour ça. Mais non mais essayons d'aller. Essayons d'aller là-bas. Je sais pas, je le sens à peu près bien.
Mais j'ai mis un marqueur d'ailleurs. Ah mais ouais, ça, ça non. Hein. Ah, sans... D'accord. D'accord. Sans disperse. Marrant. Bon, ça m'a donné des ressources à l'infini. Ah, le problème, c'est que là, je peux pas passer. Ouais. Par contre, en dessous, il y a un truc. Ah. Alors, c'est vrai qu'il dit que ça commence là, là. Il y a un truc de bizarre, là. Ah. Voilà. Non. Au secours. Comment... Oh, quel enfer. Ah, parce que c'est comme ça qu'il faut monter. Après, peut-être qu'il me faudra le double saut. Bon, attendons de pouvoir sauter plus haut. Ah, après, je peux... Non, mais c'est méga chaud. Non, mais c'est trop chaud en termes de timing. Faire le dash, à la, de le super dash et tout. Peut-être que je peux aller à cet ascenseur-là, par contre. Essayons. Eh ben non. Parce que j'ai pas le pouvoir pour ça. Et là... Ah si, là je peux aller là. Là où il y a mon marqueur, hein, d'ailleurs. Bah allons, allons là où il y a le marqueur. Ah oui, alors je passe pas à travers les ennemis par contre avec le dash. Ah, je peux le... Ok. Bon, alors comment je dash là? Ici. Ah ouais, ici j'ai de l'espace pour dasher, ouais. Mais non. Ok. On a récupéré la réserve de missiles. Ah, et on va pouvoir se téléporter. En Artaria. Bah, j'accepte, hein. Ah, on dirait que je connais la zone, mais... Bon, Artaria, ça fait tellement longtemps qu'on n'y est pas retourné. C'est la première zone du jeu, on a récupéré plein de pouvoirs depuis. Ok, ah bah... Ça commence, hein. Ah, on voit déjà, on peut aller là. Ok. Oh, y a un secret ici. Il est où? C'est ça? Possible que ce soit ça. Non. C'est possible que ce soit ça. Ah mais au secours. Ok. Je sais pas si c'était le secret qu'on a trouvé, mais... En tout cas, là, on a l'air d'avancer vers l'ascenseur. Non. Bah non, pas l'ascenseur. On est plus à Dairon. On est à Artaria. Donc on va où, là? J'ai cru voir un truc violet. Oui, il y a un truc violet.
Donc j'imagine que l'objectif c'est d'aller en haut. Sans bon. Ah, le pouvoir d'activer les trucs bleus. Le rayon grappin. C'est ça qui va me permettre de faire ça. Ça y est, le moment que je redoutais. Le moment où le jeu me dit, ouais, tu peux appuyer sur ZR. Bon, bah, je vais refaire un changement des boutons, j'y réfléchis de toute façon. Maintenez ZR et appuyez sur Y pour tirer. Une fois Samus accroché, inclinez L dans la direction opposée pour tirer des objets comme les portes rayon grappin, les blocs rayon grappin et les caisses rayon grappin. Lorsqu'elle est accrochée à un point de balancement grappin, Samus peut se balancer d'avant en arrière. Si Samus tire sur une surface magnétique, elle sera rapidement attirée vers elle. Parce que là, voilà, là le problème c'est que... Voilà. Voilà l'angoisse quoi. Donc 2 secondes. Ok, bon normalement voilà, bon maintenant c'est si j'appuie sur la flèche gauche, je peux faire ça. Alors ça risque de pas être... Ah ouais, ça risque de pas être pratique. Mais bon. Raison plus pour que je prenne une manette. Hein. Encore. Ouais mais là ça me débloque tout mon gameplay. Alors, par contre ça arrive pile... Ah non, ça arrive pas à l'endroit où ça va. Ah d'accord. Ah mais c'est... Oh ça va être relou. Ah ouais non mais ça va être... Comment je peux... Ah mais j'ai... Ouais. Bon ça risque d'être complexe. Mais je vais me débrouiller. Ah oui parce que là du coup il faudrait que je fasse ça quoi. Ouais, le problème c'est que du coup, là où normalement je pourrais juste faire ça, là c'est plus compliqué de... Oh putain. Ok, bon. Bah, en fait j'ai remis comme il faut. Ah oui, il faut que je maintienne. D'accord. Et quand j'aurai besoin de la frappe oméga, je ferai ça. Par contre quand je vais avoir besoin d'enchaîner le grappin... Quand je vais avoir besoin d'enchaîner les deux, ça va être compliqué. Mais bon. On va se débrouiller. Quoique techniquement, j'aurais pas besoin. Parce que quand j'aurai la frappe Oméga, j'aurai juste à bourrer. Bon. Voilà. Le retour de la touche R, quoi. Le retour de la manette cassée, surtout. Après, faut que je vois. Peut-être que j'ai une manette dont la touche R marche. Mais qui a le Joy-Con Drift et qui, bon, voilà, au pire, ce sera un peu relou, mais ça devrait aller. Ah, on est à Dairon. On est à Dairon. On est encore dans une zone qu'on connaît, globalement. Ah! Ah. Bon, on a le grappin. On a le grappin, donc on va pouvoir faire des folies normalement. Je sais pas pourquoi je suis allé par là. Mais je sais pas, je me dis que ça me paraît bien comme zone. Bah non. Parce qu'en plus, c'est marrant hein, parce qu'on en avait plein des portes, des trucs à grappin. Mais au moment où il faut se rappeler de là où c'était, évidemment. Personne quoi. Pas encore leur timing à eux. Bon là on me dit porte rayon de puissance. Ouais mais là c'est des trucs que j'ai déjà. Donc allons par là. Repartons. C'est la zone où il fait froid. J'avais oublié. Là on me dit qu'il y a un truc secret ici. Ah, bah voilà. Truc secret trouvé.
que le grappin dans la zone aquatique, ça peut me servir? Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais je crois qu'on va aller plus ou moins le vérifier. Donc là, on retourne en Burenia ici, mais par le... Retournons en Burenia. Je crois que Burenia... Oui, justement, Burenia. Il y avait plein de trucs à grappin que je pouvais pas... Enfin, je pouvais pas ouvrir beaucoup de zones à cause du grappin. Vu que c'est la zone dont on n'a pas la map. Ça paraît pas déconnant. Retournons en Burenia. C'est terrible, j'ai l'impression de pas avancer alors qu'on avance, Voilà. On fait des trucs. On débloque des choses un peu. Chaque fois j'y vais dans cette zone, mais... Déjà il y a ça. D'accord, j'ai juste... Bon, j'ai ouvert un raccourci. Pour ça. Toujours ça de prix. Ok, bon, ça tombe. Ok. C'est pas plus mal de l'avoir pris. Enfin, de l'avoir ouvert. Oh, mais oui, là on va pouvoir le faire. Ah, peut-être pas. Ah, il faut peut-être que j'arrive d'en haut. Ah. Mais quand même problème. Ah ouais, non, c'est nul. Ok. Quand même problème. Bon, bah d'accord. Au moins on sait. C'est pas par là. Bon bah du coup, allons là. Ah oui. Ah mais non. Ouais, par... En fait c'est piégeux parce que vraiment du coup avec le dash j'ai l'impression de pouvoir traverser les ennemis mais pas du tout. Alors qu'en fait pas du tout. On remonte tout en haut hein. Il me semble que c'est ça le plan hein. Ah non. Je vais mourir. Ouais. En plus, ça fait bien longtemps que j'ai pas sauvegardé. Hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pas sauvegardé, ouais. C'est bien ce que je disais. Donc là, ah ouais, mais là, on est arrivé vers le bas. Ah, peut-être que cette réserve de missiles-là, je peux la choper. Je sais plus si j'avais chopé ou pas, mais... En tout cas, peut-être que je peux la choper là. Maintenant que j'ai le grappin. Effectivement. Ah, par exemple, voilà. Néanmoins, on va retourner là-bas. En fait, on va retourner en Dairon parce que je suis quasiment sûr qu'il y a un des ascenseurs qui m'était bloqué à cause d'un truc à grappin. Alors peut-être qu'il venait de l'autre côté, le truc à grappin. Et s'il est du côté opposé, je suis baisé. Mais s'il est dans mon sens, ça veut dire que je peux monter. Moi, c'est mon objectif, c'est d'aller à mon vaisseau. Monter. S'enfuir. Et tuer encore 3 ennemis. Il nous reste plus que 3 ennemis à tuer. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on en a pas encore vu aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Cet épisode. Voilà. Eh, on est de retour. C'est pas vraiment là où je voulais aller, mais... Ouais, non, là je pourrais toujours pas, parce que c'est pas un truc à grappin qu'il me faut. Ok, il est là. Ah.
Alors là, je vais essayer de faire le R en sautant, hein. Autant vous dire que... Ah. Ah, d'accord. Comment j'ai assez de vitesse là? Je sais pas. Ah, je sais pas, j'avoue là, je sais pas. Hein. Ah, donc du coup, cette porte là, effectivement, ok. Je sais pas si je peux le faire maintenant en fait, c'est ça le truc. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment l'espace. En fait, le seul endroit où je pourrais avoir l'espace, c'est là quoi. Je l'ai pas. Là quoi, mais pareil, je l'ai pas. Et pareil là, comment tu chopes ça? Faudrait que je puisse garder l'accéléro pendant que je tourne quoi, pendant des virages. Et bon, pour choper une upgrade de ça, rien de mieux qu'un ennemi démoniaque, j'imagine. Bon, je vais où maintenant? J'ai l'impression que c'est l'épisode du je vais où. J'ai envie d'aller plus haut que ça, moi là. Ah! Dis-le. Ah, un ascenseur de débloquer. On avance. Incroyable. C'est bon. Oh ouais, la nouvelle zone. Qui n'est pas encore la zone de notre vaisseau. Ferenia. Allons à Ferenia. Très bien. Oh. Oh, ça a l'air stylé comme zone. Ah oui, non, oui. Faut que je maintienne les deux boutons enfoncés, quoi. D'accord, bon, d'un autre côté, on peut l'obtenir, enfin. En tout cas, c'est stylé, hein, niveau arrière-plan et tout, hein. Ah, Amy, tu m'avais manqué. C'est faux. Pas bon cette histoire. Oh.
Anaman Henki Maradis. Pisalakuta ili Zoha Hasana. Ili Chozo Manfaragai Adasen Mavis Ashkar Behek. Ninu Gabara Neporien Lebat Balis Heniku. Hemsen ili Tanumar Tarbi Chozo Rahama Hasana Mavis ili Maukin. Saharilin ili Maukin. Pinoras Hasana Tarbi Chozo. Urairisi Toskarodan ili Mazre. Nir mugitalar suradis me ili agarna lima. Uramahar pantamugitos saral pura mazrole. Kunihabari hundar talasabekes en holchanim. Linkatalu ili uliris. Sabalba. Ashkar behek. Hasari gale ubana dos elegar mir. Ninu barash nek ili feruntar hadar. Les ninu kedar. Ili mazroi mugi, tanam tarbi hadar bunta, eiris dos eka ili gimel, ashkar behek gabori dos balan ili mazroi dos ili tarin nalima hemsatar, kumbim bi kalki sakra, dos horek bura, ninu mehirin ili zoha hasana, bimura gabara ili sahali, dos uran ili mazroi. Gal mir tostek, ananakoden mugi akalai. Ashkar behek hem ili maukin, hasana hasari anabalta dos humahar salian. Ili darin alima, les nudakan dos geren humahar korgan gal turuta mazroet. Zabalba, hum talaris lexak zirugali nebak, hem mugi lamai dos goro humahar yoriz meiko jana. Aitar ili gelzu manu naloni iska ili agar nalima. Mugi garama bi eriz les nidu. Ili tarin nalima megori le shakutanka. Ontar humahar gelzu mugi barilin ili eriz. Arek eborez, ashkar behek, eleme irisi, dos karodan non. Ninu aros hakame, ninu mahar meheni, dos tumema, ninu mahar yoris. Ishili mazroe, meili agar nalima, habari bama mugi sarali, lina tamahar toshek. Nutili mazroe desborodo. Ili yoristar ashkar behek, dora jabar bados les maradan. Has, bados les maradan. Ashka unugal ata. Ili emai marhuma satari lin ashkar behek. Tamus arlan, feje jadoran. Ninu jabar kumane jundos, tebolen ili maz. Roedim iskanulisa tamaharizbi. Kino uluturuta. Ana maril sanur pura. Aymar hel.
Ouais, bon, le camouflage. Oui, non, bah oui, j'ai pas eu le temps de remettre le micro et tout. Comment ça? Mais il était gentil, l'autre. Pépito. Ah bah yes. Voilà. Ah, ça fait toujours plaisir de voir Samus parler aussi, hein. En fait, je sais pas s'il y a des moments. Ah, je crois qu'il y a eu un moment où je pouvais le parer là. Je peux voir un moment où il faisait une sorte de dash, où je pouvais le parer. Non. Ça, j'espère que ça lui fait des dégâts, hein. Ah. Ah ouais, comme ça. Non mais fais ton dash là. Enfin fais ton dash mais au moment où je m'y attends. Bah ouais, il veut pas faire son dash là. Il va encore me tuer. Raté. Ah bah voilà. Ok. Bon, en tout cas, ça fait sens, hein, vu que les Emmy ils servent à comment ça s'appelle, à récupérer, à collecter l'ADN. Ça explique pourquoi ils nous attaquent. Hein. Par contre, du coup, il y a quand même des X a priori sur cette, en tout cas, il y avait des X au moins sur cette planète de mort. Et par contre, on a Amy Violet qui nous a rejoint. Ah oui. Waouh. Le petit dash, quoi. D'accord. Ils sont énervés. Ces maps quoi. D'accord. Oula, ah ouais. Non mais quel moment j'ai ça. J'ai cette vitesse là moi. Bon. Ouais. Attendez, mais par où je passe là? Ah oui, peut-être là. Attendez. Il y a peut-être un chemin que j'ai pas pris. Voilà.
Ah, et ça me ramène. Ça me ramène. Ah, bah, très bien. Parce que, en plus, il faut que j'aille à Dairon. Donc. Par contre, on va sûrement s'arrêter. Je pense qu'on a eu une petite cinématique avec un boss, une explication un petit peu de l'histoire, finalement, de ce qui se passe. Alors, j'imagine que quand tu as le lore Metroid en tête, ça fait sûrement encore plus de sens. Mais voilà. Après, effectivement, pendant que nous on éradiquait les Metroid, bah, effectivement, du coup, on a mis à défaut les baies, les blancs de bec de corbeau là. Et du coup, il est vénère et il veut choper l'ADN Metroid qu'on a en nous. Non, en soi, c'est logique, hein. Sauf qu'il y a encore le parasite X qui est derrière. Bon, allez, Adam, on a besoin de ton aide là. C'est la merde. Cet ami Doa nous a fourni de nombreuses informations. On sait à présent pourquoi les ennemis sont après toi. Samus Aran, c'est Bec de Corbeau qui t'a attiré ici. Il veut l'ADN de Metroid qui n'existe plus que dans ton corps. Je peux confirmer que Tosh Paisible a désactivé tous les ennemis restants. Tu devrais pouvoir rejoindre la surface sans danger. C'est louche ça. Le chemin que Tosh Paisible a ouvert est à Bourenia. Retourne-y immédiatement. Ok. Ouais, bon, là c'est le moment où ça va partir en couille. Là, ça va être le moment de la phase 2, c'est ça? Oui, c'est ça, on vient de là, ouais. Ok. Ok, on s'y retrouve. Ça, je peux toujours pas le casser. Triste quand même. De la vie. Ok. Bon, il faudrait que je retourne à Burenia. Bon, on va s'y diriger gentiment. Voilà. Je crois que c'est par là. Je crois que de toute façon, je crois que il faut que je passe par Kataris pour aller à Burenia. Bon, j'ai peut-être d'autres chemins, mais voilà. Non, mais non, ça m'a l'air bien par là. Ok. Donc, retournons à Kataris. Ah oui, il y avait un chemin direct aussi entre Kataris et Burenia. Tant pis. On va faire un petit. Ça nous permettra de faire un petit backtrack. Mais par contre, je pense que ce sera pour la prochaine fois. Je sais pas du tout encore une fois combien de temps l'épisode fait pour vous. J'ai pas l'impression qu'on ait tant avancé que ça non plus. Comme l'épisode d'avant en fait. Mais c'est vrai que je vois pas le temps passer sur le jeu. Et ça c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Vraiment un bon Metroid là où t'es bien perdu tout le temps là, ça c'est. Voilà, quel plaisir. Comme Hollow Knight là au début. Ok, ah tiens, là il y a un truc secret. Bourtou. Ouais, mais il est plus là le secret. Il est là. Ah. Il paraît un peu chaud. D'avoir l'accéléro de mort là. Ouais. Quand je dis chaud, c'est mort en fait. Ouais. Tant pis. Ah, et là je pouvais l'avoir. Enfin, ou alors il faut que j'apprenne à mieux l'utiliser que ce que je ne le fais actuellement. Ce qui est aussi fortement possible. Hein. Bon, là y'a rien. Là y'a rien à part la déception. Là y'a rien. Non mais. On a fermé ici. Oui, non, mais oui, je peux passer quand même de l'autre côté. Voilà.
Non mais là on s'en fout. Là là. Ça fait quoi si j'utilise la boule là? Ça fait rien. C'est nul. Et là? Ah, là il y a peut-être un truc là. Là il y a moyen qu'il... C'est quand même incroyable de prendre toujours les pires décisions. D'accord, bon ça je peux toujours pas. Ok. Ah là. Là la boule. Bon, mais en vrai en fait c'est les chemins pour les émis, donc du coup techniquement c'est ça se connecte à des endroits que je connais déjà. Techniquement. D'ailleurs sûrement des trucs cachés quand même à droite à gauche, mais... Genre là. Non mais quelque part on avance bien, on avance à... Voilà, on arrive vers Butaria petit à petit. On remplit notre objectif. Ah non mais c'est même... Non c'est Artaria... Attendez. Faut qu'on aille où non? Oui en Art... Ah non c'est... Mais non il a ouvert un truc en Butaria on m'a dit. Pourquoi je vais là? Burenia. Tiens mais du coup... Je sais pas pourquoi en fait je me suis dit qu'il fallait... Je pensais que c'était la première zone du jeu. Où il fallait que j'aille. Alors que non, en plus j'ai vu hein, la zone en question et... Ouais. Ouais bah oui. Bon. De toute façon voilà, on va s'arrêter, on va pas tarder à s'arrêter. Je trouve une zone de sauvegarde. Et on se retrouvera proche de la Burenia... pour le prochain épisode. Ah bon, bah juste trouver le secret qui se cache là, quoi. Si on peut. Ah, c'est spécifiquement cette zone-là? Ah bah c'est là, là. Non? Ok. D'accord, alors bon, il y a un secret quelque part. Reste à savoir où. Donc en haut. Donc en haut. Allez, passe en mode missile. Voilà. Merci. Passe en mode. Voilà. Ok. Bon, au moins on a eu le secret qui se cachait ici, voilà. Pour le 100%. Ça pour le 100%, évidemment. Bah voilà. Là on a une zone de save, très bien. Et bon, bah de toute façon il faudra qu'on aille. Ah ouais, mais du coup il faut qu'on retourne à Dairon. Quel enfer. Bon, voilà. On retournera, voilà, on ira jusqu'à Burenia la prochaine fois. C'est incroyable d'avoir un sens de l'orientation qui est aussi déplorable. Hein. Sur ce, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de Metroid Red. Prenez soin de vous, c'était Blue. Bye bye. Mmh.